merci de nous recevoir au ciel donc de l'Agence spatiale européenne et de nous accorder cet entretien pour, dans le cadre de cette exposition qu'on met en place en région centre, donc finalement région centre en partenariat avec Centre Sciences, le CNRS, le lycée Benjamin Franklin et bien sûr le SA et Cipa Press. Et ce qu'on souhaiterait, c'est un petit peu, voir un peu avec vous, un peu votre parcours, parce que vous avez quand même, certes, un parcours exemplaire, mais aussi discuter des problèmes, sensibiliser les jeunes aux carrières scientifiques, qui n'est pas que, effectivement, partir dans l'espace, mais qui est aussi tout un environnement technique, humain, ou autre. Donc un petit peu, vous, votre parcours médecin au départ. Oui, bonjour, et très heureuse de partager ce moment avec la région Centre, Centre Sciences, le CNAM, ce joli lycée, pour parler justement de ces carrières scientifiques, ces carrières d'ingénieur qui donnent beaucoup de bonheur. Je pense pouvoir en parler parce que j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie professionnelle, effectivement, même plusieurs vies professionnelles, en démarrant comme un médecin rhumatologue, et puis en découvrant un petit peu les hasards, les opportunités de la vie, un appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales, il y a 30 ans maintenant, c'est en 85, pour devenir un astronaute et prendre en charge des missions scientifiques à bord des stations spatiales. Donc voilà, ma vie qui change à ce moment-là, et je deviens astronaute du CNES et puis de l'Agence spatiale européenne, et j'ai la chance d'effectuer deux missions spatiales. Une première mission à bord de Mir, où j'avais une fonction de scientifique et de gestion du programme scientifique à bord de cette station, qui est un laboratoire en microgravité. La gravité est pratiquement annulée et on peut se poser des tas de questions scientifiques pour comprendre le fonctionnement du corps humain, pour comprendre l'écoulement des fluides, la combustion, plein de sujets très, très intéressants. Et puis une seconde mission à bord de la station spatiale internationale, qui est encore aujourd'hui en orbite autour de la Terre, en coopération internationale, pour maintenir ce laboratoire et puis envisager ses extensions, le devenir, le futur, donc à la fois scientifique, à la fois ingénieur dans cette seconde mission, en ayant la chance de rencontrer, c'est ça ce qui est merveilleux dans la science et la technique, de travailler en coopération internationale avec des partenaires russes, des partenaires américains, des partenaires chinois. On a parfois le sentiment que aller vers une carrière de scientifique ou s'engager sur un métier d'ingénieur, ça va nous confiner dans un domaine. Et le spatial, pour moi, tel que je l'ai vécu, c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer des gens de culture très très différentes, de formations très différentes, scientifiques, ingénieurs et même architectes, juristes sur certains sujets. Et donc, quelque chose qui est très ouvert et tout à fait passionnant, parce qu'on a vraiment l'impression de faire avancer non seulement la connaissance des questions auxquelles on peut apporter des éléments de réponse, mais aussi réellement fabriquer des choses. Alors parfois ça prend beaucoup de temps, et le spatial c'est à la fois passionnant et puis c'est toute une vie engagée. Je pense que vous avez tous vibré à voir la sonde Rosetta et puis son petit atterrisseur sur la comète Chury. Vous avez sûrement rêvé là aussi à cette mission Cassini qui vient de se terminer pour explorer une lune de Saturne, Titan. Donc ça, ce sont des missions qui durent 20 ans, mais on ressent cette engagement, cette passion de gens de nature très très diverse, à la fois ces scientifiques, à la fois ces ingénieurs qui ont réalisé la capacité à communiquer de la sonde, sa capacité à envoyer des images, à sentir les gaz autour de la planète Mars. Voilà, c'est des métiers absolument multiples, avec des aventures tout à fait passionnantes. Et l'Agence spatiale européenne a très envie d'ouvrir ses possibilités, de faire découvrir l'espace, bien sûr
à tout un chacun, un grand public, des plus jeunes, parce que l'espace, ça fait partie de notre quotidien. On s'en sert pour avoir des informations sur la météo, sur toutes ces catastrophes qui sont aujourd'hui sur notre planète. On a des satellites d'observation de la Terre qui nous donnent des images absolument magnifiques. Donc tout un tas de choses qui servent à notre quotidien. Mais aussi toute cette capacité à explorer des territoires encore inconnus. À la fois l'exploration et l'espace au service de notre Terre. Des matières formidables. Et il faut que tout le monde y participe. Alors, tout le monde, ça veut dire bien évidemment, dans la diversité, des jeunes filles et des jeunes gens sur ces métiers-là. Et c'est vrai que dans les métiers scientifiques, les sciences dures, par exemple la physique, les mathématiques ou les sciences de l'ingénieur, on s'aperçoit que les jeunes filles ne sont pas toujours là. Sans doute, elles ne connaissent pas ces métiers. Donc c'est l'objectif aussi, en montrant des profils dans cette exposition de jeunes femmes de métiers différents, de voir comment elles peuvent avoir beaucoup de bonheur à participer à ces missions, à en être vraiment partie prenante. Et ce sont des métiers passionnants. Donc c'est un petit peu l'objectif d'utiliser l'espace, ces métiers, à la fois pour rêver et puis pour se dire que oui, c'est des métiers pour moi. Et les jeunes filles sont vraiment les bienvenues dans ces métiers-là. Elles y découvriront beaucoup de choses passionnantes. Et vous disiez les métiers, mais finalement, c'est tout un... Enfin, c'est plein de métiers et plein de niveaux, finalement, de formation aussi divers. Donc, ce n'est pas que des ingénieurs, ça peut être aussi des techniciens, c'est dans tous ces métiers-là. Donc, c'est... Voilà, c'est oui, pas que l'école d'ingénieur ou c'est pas que... Voilà, qui n'est pas limitatif en termes de... Absolument, pour réaliser une mission spatiale, bon, vous voyez bien la complexité, il faut l'organiser, il faut développer des choses, il faut penser ce qu'on appelle des protocoles d'expérience pour les mettre en œuvre. Donc ça veut dire effectivement à la fois celui qui organise le projet, pas obligatoirement un ingénieur, mais en coopération avec l'ingénieur, le technicien qui va vérifier que tous les éléments sont corrects, l'ingénieur qui va concevoir à la fois des systèmes de communication, des systèmes de visualisation, enfin des métiers d'ingénierie dans tous les domaines, et puis les scientifiques. Alors des scientifiques là aussi, dans toutes les disciplines. Quand on s'intéresse au spatial, vous avez besoin de médecins, de biologistes, d'astrophysiciens, bien évidemment, de chimistes, toutes les catégories de sciences sont interpellées par ces missions d'exploration et de connaissances. D'accord. Et donc, pour le coup, cette exposition donc, qui a été l'initiative aussi de votre agence, l'ESA, et CIPA Press, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un véhicule de diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle, c'est cette place aussi. On connaissait bien le sujet. Oui. Non, je pense qu'il est très important de donner des éléments concrets. Bien évidemment, on a tous conscience aujourd'hui que la science, la technique, ça va nous donner des éléments pour apporter des solutions à ces enjeux majeurs qui sont ceux des ressources sur notre planète, du changement climatique, de la connaissance de territoires encore non explorés. Mais voilà, c'est quoi les métiers ? Donc on a voulu, avec cette exposition, effectivement, organisée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le CIRPA, présenter des vraies personnes qui sont aussi en contact avec vous. Voilà, je viens vous parler, Fatoumata va venir vous parler, d'autres seront présents. Donc, incarner ces métiers pour partager, pour en discuter, pour les faire connaître. Et ça, c'est important, à la fois dans les universités, au CNAM, d'avoir ces rencontres avec les lycéens et même des plus jeunes, je dirais. Mais l'éducation, elle ne se fait pas qu'à l'école et dans les centres de formation. L'éducation, elle se fait aussi dans des centres de culture scientifique et technique, par d'autres approches, par le jeu, la curiosité, le questionnement. Et il faut avoir tous ces outils pour faire comprendre qu'effectivement, c'est pour vous. Alors, si vous aviez quelque chose à dire aux jeunes filles
qui sont au lycée, qui se posent des questions sur, sur leur orientation, en disant les sciences c'est un petit peu difficile, ou c'est pas pour moi, ou à dire aussi aux enseignants aussi, comment est-ce que vous auriez un petit truc pour pour les sensibiliser, leur dire mais si vous pouvez d'abord, et puis puisque bon l'exposition effectivement c'est plutôt le public féminin, de jeunes filles, mais vous l'avez à forte raison dit aussi c'était des jeunes gens, c'est pas limitatif, simplement l'exposition était là deux. Voilà. Qu'est-ce qui les entraînerait? J'ai envie de dire aux jeunes gens, aux jeunes filles et jeunes garçons, ayez des rêves, ayez des envies, ayez des questions. Ça, c'est le premier point. Ne vous contentez pas de ce que la télévision va vous fournir. Ayez vos propres rêves et vos propres désirs. Ensuite, un deuxième conseil, c'est ne laissez pas les autres vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est à vous d'essayer. Ça marche, ça marche pas, on recommence. La vie, c'est fait de réussite et d'échecs, mais on avance. Donc, c'est à vous de prendre en main. Et le troisième point, c'est il faut avoir un bagage. On ne peut pas partir dans l'aventure de la vie comme ça. Ça ne va pas arriver par chance. Il faut travailler, il faut écouter, il faut apprendre des autres et puis apprendre aux autres, bien évidemment. Donc, l'école, c'est un endroit important pour avoir ce bagage et se sentir à l'aise. Et voilà, donc avoir des rêves, avoir l'audace de vivre sa vie, se former pour avoir tous les atouts pour avancer. C'est un petit peu ça, des clés que j'ai envie de donner. Et puis ensuite, avec tout ça, vous y trouverez beaucoup de passion, de bonheur, de plaisir à vivre ces métiers-là. Bien, écoutez, merci beaucoup Claudine d'avoir pris merci. Du temps. Je sais que votre planning est quand même chargé, mais c'est vraiment, c'est un beau message. Merci beaucoup. Merci.